un petit bracelet pour porter chance. Merci. Le principe de Panthère à l'école, c'est d'intervenir dans toutes les écoles primaires de la ville de Fleury-les-Aubrais, de la ville de Semois, que tous les enfants âgés de 8 ans à 10 ans, de CE2 à CM2, aient un cycle d'intervention scolaire, 8 séances d'handball dans l'année. Et donc le tournoi aujourd'hui, c'est de finaliser un petit peu ces interventions scolaires. Il représente aujourd'hui 750 enfants, il y a 27 classes représentées, il y a 81 équipes, 18 terrains de handball, 6 ateliers axés sur le sport et la citoyenneté. Donc sport handicap, sport citoyenneté, les traces de l'effort. L'idée, c'est de finir l'année sur une très bonne note. J'ai retenu que fallait jouer surtout en équipe, fallait jouer fair play et fallait pas taper surtout. Et puis jouer bien et l'esprit d'équipe surtout. Toute la journée, vous allez être arbitre, responsable du bon déroulement des matchs. Alors La Poste nous accompagne aujourd'hui au niveau national via le partenariat mis en place entre La Poste et la Ligue féminine de handball. Donc La Poste est présente tout au long de l'année dans les tribunes des matchs de l'équipe élite. Et puis aujourd'hui, La Poste nous accompagne aussi sur ses actions de développement sur des publics plus jeunes. Le partenariat repose aujourd'hui sur les valeurs qu'on essaye d'inculquer à l'ensemble de nos jeunes licenciés, à savoir que dans leur développement en tant que jeunes joueuses de handball, c'est un passage obligatoire aujourd'hui par l'arbitrage qui permet de leur inculquer les valeurs de respect, les valeurs d'équité, les valeurs de performance également. Et pour nous, c'est un passage obligatoire pour ces jeunes joueuses-là parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage ne va pas sans le jeu et le jeu ne va pas sans l'arbitrage. Ce qui m'a donné envie d'être arbitre, c'est d'impliquer les règles aux enfants, de leur montrer, de pouvoir leur expliquer, car je trouve que c'est important et j'aime bien m'occuper d'enfants à cet âge-là. Quand une entreprise se dit entreprise citoyenne, et La Poste est typiquement une entreprise pour nous citoyenne, c'est-à-dire ancrée dans les territoires, au service de tous, soucieuse des valeurs qui sont celles de la société, donc la mixité, la diversité, le fait qu'il y ait aussi une sensibilisation autour du handicap sur cette journée-là. Ça faisait un tout avec les jeunes, des filles, des garçons, bien évidemment, une équipe de hand que les Panthères aujourd'hui incarnent depuis ce titre magnifique de championne de France.